Et bonjour. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé s'il était possible d'entendre des petits bouts de mon nouvel album. C'est donc avec plaisir que je vous ai préparé ces quelques extraits. Le premier est un hommage à Charles Aznavour avec son grand classique La Bohème. Le prochain extrait est une pièce que je joue en spectacle depuis quelques années, mais que je n'ai jamais enregistrée sur disque. C'est un grand succès du légendaire groupe ABBA, Fernando. Sur ce disque, je tenais aussi à rendre hommage à une de nos premières grandes chanteuses québécoises, notre chère Alice Robbie, qui avait comme idole, entre autres, Carmen Miranda. Toutes les deux ont popularisé cette mélodie entraînante et festive, Tico Tico. N'a pas fredonné ce grand succès de Mireille Mathieu, Acropolis à Dieu. Il y a une quinzaine d'années, dans mes spectacles, je rendais hommage à Joe Dassin en interprétant un petit pot-pourri de ses grands succès. Pot-pourri que je n'ai jamais enregistré sur disque. Après toutes ces années, le voici enfin. Un des moments importants de ma carrière a été mes deux tournées à travers tout le Canada avec le big band le plus prestigieux au monde, le Glenn Miller Orchestra. Voici leur plus grand succès que j'ai un peu modifié à ma façon, In the Mood Boogie Woogie. Voici une autre mélodie que je joue depuis quelques années et que je n'ai jamais enregistrée sur disque. Un classique américain qui a été repris par Michael Bublé et Barbara Streisand, It Had to Be You. Thank you.
Que dire de ce succès planétaire d'Elvis Presley, que je joue d'ailleurs avec tendresse, puisqu'il s'intitule « Love Me Tender ». En terminant, voici mon 9e et dernier extrait. C'est un coup de cœur que j'ai eu pour cette pièce quand j'étais adolescent. Elle m'a toujours fait vibrer. C'est le plus grand succès du trompettiste Roy Edsel, Il Silenzio. Mon album compte 12 titres, mais comme je ne veux pas vous retenir trop longtemps, je m'arrête ici en espérant que vous avez apprécié ces quelques extraits que j'ai préparés spécialement pour vous. N'oubliez pas que si vous ne trouvez pas mon disque chez votre disquaire, il vous est toujours possible de nous le commander soit via notre boutique sécurisée en ligne, soit par la poste en imprimant le bon de commande ci-joint, ou soit en nous téléphonant directement à nos bureaux. Je joins ces informations au bas de votre courriel. Je termine en vous souhaitant un très bel été. Et puisse ma musique vous faire vivre de beaux moments de détente et de plaisir. À bientôt.